prête, on y va? T'as cru que t'allais à l'école comme ça? Comment comme ça? Bah, c'est pas carnaval, hein? Bah, moi j'aime bien, c'est stylé. Bon, enfin là, c'est un peu trop. À la maison, passe encore, mais à l'école, faut respecter certains codes, tu comprends? Ah non, mais cherche pas, je suis d'accord avec Papou. Allez, tu montes dans ta chambre, on a l'impression que t'as fait les poubelles, hein, chérie. Oh là là, on dit les homos. Vous êtes pas si cool que ça, en fait, hein? Vous êtes vraiment surcoté. Bah ouais, t'as pas de bol, t'es tombé sur des relous. C'est quoi? Les fiches de renseignement pour la rentrée. Regarde, je vais mettre père 1 et père 2. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. J'ai deux papas. C'est bien, ma chérie. Je suis fière de toi. C'est très mature de ta part. Merci. Attends, juste... Tu vas mettre qui en père 1? Je sais pas. J'y ai pas trop réfléchi. Ah. On s'en fiche, non? Oh, complètement. Non, mais c'est juste que Dominique commence par un D, alors Olivier, c'est un O. Par ordre alphabétique, c'est plus simple, je pense. Mets-moi en premier, quoi. Ouais, mais en même temps, Fayol, c'est F, alors que Mercier, c'est M. Non, mais on commence pas par les noms de famille. Tu dis pas à l'idée de Johnny, tu vois. Non, vraiment, je t'assure, mets-moi en 1, ce sera plus simple. Ok, ok. Mais ça, c'est mature ou pas? Je me rends pas compte. Non, c'est pas moi, chérie, c'est l'alphabet. Après, si tu veux remettre en cause un système qui existe dans le monde entier depuis la nuit des temps, libre à toi. Ça va, mon chéri? Ça s'est bien passé? Ouais. Ça raconte? Me raconte quoi? Je sais pas, tu me racontes jamais comment ça se passe avec ton père. J'aimerais bien savoir, moi. Hier matin, on a fait une sortie à vélo. D'accord, très bien. Quoi d'autre? Ensuite, l'après-midi, on est allé faire une expo avec papa et sa nouvelle copine. Ah bon? Mais tu veux jamais aller au musée avec moi? Ah oui, mais c'est pas pareil, en fait, elle a fait les beaux-arts. Et du coup, elle s'y connaît vachement et tout, du coup, c'était super cool. Ok. Et c'est bien, tant mieux. Ensuite, hier soir, on a regardé une vieille comédie tous ensemble, on s'est trop marré. Et puis, ce matin, on est allé faire le marché des producteurs avec papa, il m'a fait goûter plein de fromages, c'était trop bon. Et puis, ce midi, je l'ai aidé à faire son risotto. Enfin, week-end classique, quoi. Week-end classique? Mais non, je déconne, j'avais un tournoi réseau. Je suis resté dans ma chambre pendant 2 jours. Ah! Ah, bah tu me rassures. Enfin non, bah, je veux dire, oui, tu fais comme ici, quoi. Ouais, comme ici. Moi, je monte dans ma chambre. Ouais, monte dans ta chambre. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais rien, mais j'ai cru qu'il avait une relation privilégiée avec son père, j'ai flippé! Quoi? Non, mais laisse tomber. Un risotto. Il est con. Yasmine! Oh là, bon, elle fout quoi, Yasmine, là? Je sais pas, elle est encore dans sa chambre, je crois. On va pas quand même arriver en retard le premier jour de la rentrée, ça la fout mal. Yasmine! Bah, quoi? Mais t'es pas encore habillée? On va y aller. Dépêche-toi, là! Ah, mais t'es pas au courant? Maman et son mec m'ont scolarisé à domicile. Quoi? Ouais, ils ont dit comme ça, j'aurais moins de distractions. Que je serais plus concentré dans les cours, quoi. Quoi? Et ils ont décidé ça sans me prévenir? J'ai quand même mon mot à dire, non? Attends, je vais l'appeler, tu vas voir. Elle va m'entendre. Oui, allô? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Tu vas appeler au bahut? Non. Mais si, t'es ouf. Mais là, il va appeler ma mère, je les connais. D'abord, ils s'engueulent, et après, ils discutent. Comme ça, ça me laisse le temps de petit déjeuner tranquille. C'est brillant. Attends, non, c'est pas toi qui t'énerve. Ah bon, Julo, alors, ce premier jour d'école? Horrible. Le pire jour de ma vie. J'ai pas envie d'en parler. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est ton instinct qui est pas sympa? Elle me déteste. Crois-moi que j'irai plus jamais là-bas. Bon, enfin, elle peut pas ne pas t'aimer, pas déjà, enfin, tu... Bah, si, la preuve. Mais attends, c'est ses premiers jours aussi, tu verras demain, avec les... Isa, urgence, Rafio! Urgence, Isa! Jules, go! Non mais t'inquiète pas, si tu veux, moi je vais la voir, je lui mets un gros coup de pression et elle te gonfle plus toute l'année. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais il veut pas aller à l'école parce qu'il n'aime pas sa maîtresse, donc... Hein? Madame, ça va s'arranger, regarde. Attends, angoisse scolaire, 593, ça on s'en fout... J'ai... Oui. Alors, à mon avis, mon chat, c'est pas très grave. C'est-à-dire, je pense que ta maîtresse, en fait, elle angoisse elle-même. Donc elle a été un petit peu dure, mais c'est parce qu'elle a eu peur. Non, mais attends, je viens de lui dire que j'allais aller voir sa prof pour lui foutre les jetons, comme ça, elle lui fout la paix toute l'année. Pourquoi tu lui as dit un truc pareil?
Je sais pas, le temps que t'arrives, je meuble, voilà, je lui dis qu'il est rassuré, hein, bonhomme. Ah, oui, il a l'air bien, là, en effet, oui, bah, ça a l'air bien. Bah, parce que dire, oh là là, la pauvre prof, si elle est méchante, c'est de ta faute, ça va le rassurer, ça. Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Mais c'est l'inverse que je viens de dire. Mais tu viens de dire, mais on comprend mieux ce que t'as dit, il a pas compris. Je déconne, je déconne, c'était super l'école. Vous gobez vraiment n'importe quoi, c'est trop facile avec vous. Bon, allez, et fermez de voir. Ciao. Vis-la, regarde. Vis-la. Hein, hein, hein. Ça va, Polo? Tu te prépares pour ton entretien? Ouais, enfin, c'est pour un job d'étudiant, hein. Je postule pas pour la NASA. Oui, je sais, mais bon, c'est... Enfin, quand même, quoi. C'est... Tu sais, je réfléchissais, et à mon avis... Enfin, je sais pas, hein. Mais à mon avis, ils vont te demander de te définir en trois mots. Tu as pensé ou... Facile. Grand, brun, bien gaulé. Ça fait quatre. Enfin, tu sais même pas compter, quoi. J'arrive à la réunion avec le fournisseur et son N+1, tranquille, il me dit... Faut trop que je vous raconte. Il y a un mec à l'école, il est venu sans ses chaussures. Yas, j'étais en train de parler. Quoi? Mais comment c'est possible? Il s'en est pas rendu compte? Bah moi j'ai déjà rêvé que j'allais à l'école sans mes chaussures. Eh, wow, j'étais en train de parler là. Les enfants, on ne coupe pas la parole comme ça. Quand je pense que quand j'étais petit, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. C'est vrai? Bah ouais, c'est vrai. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? De la chance qu'avaient nos parents surtout. Et oh. Ah mais, je viens de comprendre cette règle. C'est pas une question d'éducation. C'est simplement pour passer des déjeuners peinards sans se taper des histoires de lycéens qui ont perdu une chaussette. Hein. Eh oh, ça va, nous on se tape bien des histoires de fournisseurs et de N+1. Hein. Bim. Comment a-t-il pris la chose? Assez mal. Bon, Yasmine, soit tu regardes pas. C'est chiant, sinon. Mais quoi, je regarde, là. Bah non, t'es sur ton smartphone. Ça veut rien dire, j'entends quand même. T'es sur Instagram et tu commentes les photos de tes potes. Je vois pas comment tu peux comprendre l'histoire. Parce que je sais faire deux choses en même temps. Ouais, ça m'étonnerait, ça. Mais pourquoi il se remet avec elle alors qu'elle vient de tuer son frère? Parce qu'il a trouvé une lettre qui dit que le fils de son ex-mari l'a empoisonné. Sauf qu'elle le sait pas et comme il l'aime, il est partagé entre lui dire la vérité ou garder le secret. C'est tout l'enjeu du film. C'est exactement ça. Tu vois que j'entends tout. En fait, il n'y a que toi qui écoutes pas. Mais pourquoi tu t'agites comme ça? Comment tu peux trouver le sommeil, toi? Demain, c'est le grand jour, le saut vers l'inconnu. De quoi? C'est notre première réunion parents-prof de l'année. Oh, ça va bien se passer. J'ai des super bons élèves, il n'y a aucune raison de stresser. Moi, je stresse pas pour Jade, je parle de nous, là. C'est notre rentrée des parents, faut pas la rater. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rendors-toi. Non, mais imagine, ça se passe pas bien. Hein, on est mal accepté. Alors, du coup, on va être obligé de la changer d'école. Alors, ça veut dire déménager en plein milieu de l'année scolaire. Ça, c'est beau jour la galère. En plus, j'espère qu'elle va tomber sur des profs conciliants. Ça s'est pas donné à tout le monde. Mais ça va aller, je te dis. Calme-toi. J'espère qu'ils vont être sympas, les autres parents d'élèves. Non, faut faire une bonne première impression. Ça, c'est la clé. Mais allez, dors! Attends, mais c'est facile à dire pour toi. T'es à l'aise partout. Moi, j'ai du mal à me faire accepter dans les nouveaux groupes. Bon, écoute, Calumero, la vie, c'est pas facile, c'est trop injuste, je sais. D'accord, mais regarde l'heure qu'il est, là. Faut dormir, maintenant. Mais tu vas où? Faire un cake. On peut pas détester quelqu'un qui a porté un cake. Que tu comptes faire pour la planète aujourd'hui? Oh non, maman, s'il te plaît, là, je viens de me réveiller, ça arrive. Paul, un geste par jour et par personne peut sauver la planète. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Mais j'ai déjà fait de toute façon. Bien sûr, c'est quoi? Je pissais sous la douche, voilà. Ça va, chérie? Ouais. Bien dormi? Ouais, trop bien. C'est quoi déjà un rêve prémonitoire? Ben, c'est quand tu rêves de quelque chose et que ça se passe dans la vie pas longtemps après. D'ailleurs, si ça se reproduit plusieurs fois, ça peut même vouloir dire que t'as un don de voyance. Ah ouais? C'est grave bien comme don. Bon, après, faut juste rêver des bonnes choses, hein. Voilà, si tu rêves que tu te lèves tous les matins très tôt pour aller au boulot, c'est prémonitoire, mais c'est chiant, là. Non, mais laisse tomber, moi, ça peut pas être prémonitoire. J'ai rêvé, j'avais la moyenne en français. Ah oui, non, là, ça n'ira pas. C'est impossible, mais... Et donc, du coup, pour me féliciter, on buvait du champagne sur un tapis volant tiré par des écureuils au-dessus des chutes du Niagara et on écoutait les One Direction. Toi, maman, t'étais enceinte d'un poney rose et toi, papa, tu mangeais un lavabo. D'accord, effectivement, c'est compliqué là parce que manger un lavabo, je t'explique même pas le gars. Attends. On sait pas, peut-être qu'elle a un vrai talent de prémonition. Et là, ça serait vraiment dommage de passer à côté. Franchement, moi je dis tente ta chance. Voici la première partie de ton rêve se réalise, donc bosse ton bac de français à fond, tu vois, et si t'as la moyenne, peut-être que t'as un don. Ah ouais? Attends. Oh,
mais c'est trop bien, merci maman. Bah, je t'en prie, attends. Eh, hey, ça se tente, chérie, hein. Ah, ça se tente, hein, ouais. Sûrement un don, je pense, hein. Ouais. Bon, maintenant, faut trouver des écureuils qui volent, donc là, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, bah, tu sais quoi? Si elle a la moyenne à son bac de français, on trouvera. Ouais. Moi, je veux bien être enceinte d'un poney rose. D'accord. Un poney rose. T'as bien dormi, ma puce? Non, j'ai fait des rêves horribles. Oh, c'était quoi? J'ai rêvé que j'étais sur une grande table et qu'il y avait plein de plats remplis de nourriture. Et dès que j'essayais de manger, tout disparaissait. Oh non, une partie d'elle-même est en carence. Et puis finalement, j'arrivais à attraper quelques fruits, mais je comprenais pas le goût. J'avais même pas l'impression que c'était de la nourriture. Perte de repère, elle a besoin de comprendre ses origines. Et certains fruits étaient brûlés, donc je pouvais pas les manger. Non, ça allait brûler, j'étais sûre. Angoisse profonde. Ma chérie, ton rêve, il est très important. T'es en train de te demander ce que tu désires vraiment. Tu cherches à comprendre le passé pour mieux avancer dans le futur. T'as besoin de te nourrir de tes origines pour les comprendre. Et papa et moi, on est là pour ça. Tu sais, je vois surtout qu'à force que tu sois au régime, on ne bouffe plus rien le soir. J'ai la dalle quand je me couche. Mais c'est vrai que ça peut être ça aussi, hein. C'est pas bête. Putain, j'y comprends rien. C'est abusé. Papa! Je peux pas t'aider, moi? Non, mais laisse tomber, c'est des maths. C'est genre hyper compliqué. Bah, je me débrouille en maths. Non, je crois pas. T'as fait une fac de lettres, je te rappelle. C'est vrai qu'au début, c'était pas gagné, mais depuis que je suis devenue mère de famille recomposée, je peux te dire que je suis hyper forte en addition, soustraction, répartition, multiplication, tous les trucs en yon, quoi. Comme organisation? Voilà. Alors pourquoi le frigo est vide? Parce que je pensais que t'étais chez ta mère cette semaine et Antoine n'était pas censé être là non plus. Pourtant, c'est pas bien compliqué. Antoine et moi, on est là une semaine sur deux. Non. Non, Yasmine, c'est pas si simple. En théorie, vous êtes censé être là une semaine sur deux. Mais dans la pratique, le père d'Antoine part en séminaire 3 semaines sur 4. Et toi, dès que tu t'engueules avec ta mère, tu squattes ici 3 semaines sur 4, voire plus si affinité. Donc, la probabilité pour que vous soyez tous les deux réunis en même temps est très exactement de 56,25%. Ok, Einstein, à toi de jouer. Yes! Ah, t'as mal quelque part, là? Tu grimaces? Non, ça va. Bah dis pas non, je vois bien que t'as mal. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Nathan, l'autre jour, dans la cour. Il m'a poussé, je suis tombée, c'est tout. Comment ça, il t'a poussé? Bah, il m'a poussé dans le dos. Dans le dos, en plus? Alors, écoute-moi bien. La prochaine fois que ce petit trou du cul te pousse dans le dos, tu sais ce que tu lui fais? Tu le prends par le col, tu lui fous un coup de boule, tu lui mets la tête dans les chiottes et tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes parce que la violence, ça ne résout rien. N'est-ce pas, chérie? Tout à fait. Pas de violence, mon lapin, jamais. Papa, tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas compris. Tu lui mets la tête dans les toilettes avant ou après le coup de boule? Bon, allez, n'en faisons pas toute une histoire. N'en faisons pas toute une histoire. Tu réalises un peu ce que ça veut dire? Elle a honte de nous. Mais si ça se trouve, elle a simplement oublié de nous prévenir. Ah, bien sûr, elle a tellement oublié qu'elle a arraché le mot sur la journée des métiers. Non, mais regarde, j'ai trouvé ça dans la poubelle de sa chambre. Mais je te dis, elle veut pas que ses petits camarades sachent qu'elle a deux papas, c'est tout. Bon, bah très bien. Et on fait quoi? Je sais pas, elle doit tellement souffrir de ça. Bon, on n'en rajoute pas, on dit rien. Pardon? On ne dit rien. Tu vas y arriver? Que tu me prends. Oula, il se passe quoi, là? Bon, il se passe que j'ai trouvé ça. Voilà, pardon, excuse-moi, c'est sorti. Ça? C'est rien? Non, c'est pas rien, ma chérie. Il faut qu'on en parle. On sait que c'est pas facile. La différence, ça fait peur aux gens. C'est pour ça qu'on se doute bien, hein, que deux papas à la journée des métiers, ça risque un peu de... Mais c'est pas ça. C'est juste que vous avez des métiers trop chiants. Vous êtes trop normaux, voilà. Allez, Tommy, ça va s'arranger, hein. Je comprends que tu sois vexé, mais en même temps, avoue que ton métier, il est pas... Non, mais c'est pas ça. Non, mais t'as entendu? Quoi? On est trop normaux. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait un compliment pareil. Ah. Mmh, c'est trop bon. Ouais, ça a l'air. Franchement, on me demande ce que je ferais sans la bouffe. Bon, un petit peu dans ton pantalon. It's time to...
to eat. The dinner is ready. Come on. Non, non, c'est pas vrai. Recommence avec ces Friday in English là, c'est relou. On parle pas. Eh, sérieux, papa, c'est relou cette résolution là, tous les vendredis en anglais. Hey, in English, please, okay? Date, it's boring. Okay, so, what do you want? Can I have bread? Yeah, give me bread, please. And poivre. And paper, okay? Paper. Okay, so, how was your day today? What did you do at school? Nothing. Same. Amazing, okay, and for your mathematic copy, okay, what's your result? Four. Four? Ouais. Okay, okay, four. Okay, four, but, four, but for how many? 20. 20? Okay, okay. Excuse me. Yeah? Yes. And me, I am convoked at the CPE's office, and there is a mo in my correspondence carnet. What? You drive me crazy. It is not great, c'est n'importe quoi. Enfin, ça fait deux fois, là, mais hein, 4 sur 20 en maths, et tu fais convoquer au CPE, mais vous avez pris pour qui, là, sans déconner? Franchement, je vous le dis, c'est, alors là, je, vraiment, j'en ai marre, là. In English, please. Je sais pas ce qui me retient de vous. Le vocabulaire, sans doute. Anyway. Anyway. You drive me crazy, je l'ai dit. You make me mad. Ok, c'est bien ça. Yeah. Well, second time. Je l'ai pas dit ça. Second time. Ah. Ok, bah oui. Hey, fuck. Fuck and fuck. Fuck. Ok. Fuck and fuck. Tout ça parce qu'il a pas envie de lever ses fesses? Oui, exactement. Franchement, je suis presque admiratif, quoi. Ça fait 10 minutes qu'il se concentre que là-dessus. Tu m'étonnes qu'il soit crevé. Pourquoi? Bah, il est fatigué à cause de sa fainéantise. T'avais pas dit non pour les casques? Je croyais que tu voulais pas qu'il s'isole sur ses jeux. Non, mais en fait, il m'a expliqué. Il s'isole pas, il s'ouvre sur le monde. T'as 95% des joueurs qui sont étrangers, donc ils parlent en anglais. Lui qui a toujours été nul en langue, c'est génial, il va être bilingue. C'est pas faux. C'est hyper pédagogique comme méthode. Les profs feraient bien de s'y mettre. Les enfants progresseraient beaucoup plus vite. Franchement, on s'en fout, non, de savoir où M. Smith a mis son ombrella. Si tu le dis. Je suis à deux doigts d'aller proposer la méthode à sa prof d'anglais. Tu sais quoi, je vais le faire, en fait. Go fuck yourself, son of a bitch! Hijo de puta! Scheiße! Oh, putain! Prends direct rendez-vous avec les profs d'allemand et d'espagnol. Ta méthode est géniale. On n'avait pas dit pas de téléphone au lit? Mais non, mais c'est Yasmine qui m'a accepté sur Instagram. Je vais pas louper l'occasion de créer un lien avec elle. Elle t'a accepté? Bah, tu vois qu'elle est pas si dure que ça avec toi. T'es tout le temps méfiante. Mais j'avais raison. T'es parano. Ça se dit canon aujourd'hui? Hmm? Ah, parce que je voudrais mettre un commentaire sur sa photo pour qu'elle voit que je suis active, mais je vais pas lui foutre la honte non plus. Elles ont mis quoi, ses copines? Et bah, je sais pas, y a pas de commentaires. Attends, elle en a toujours 50 à chaque photo. Quoi qu'il y a ? Non, rien. Mais t'as qu'à mettre top, ça marche toujours. Mais non, mais y a un truc là, je vois bien, c'est quoi ? C'est ma photo de profil, c'est... Mm-hmm. C'est mon pseudo, c'est quoi ? Benoît, allez ! Oh ! Elle s'est créé un faux compte, c'est ça ? Pour que j'arrête de la demander comme amie parce qu'elle a trop honte de moi. Mais c'est horrible, elle me déteste ! Mais non. Regarde le bon côté des choses. Elle a créé un profil rien que pour toi, c'est pas rien. C'est un peu comme si vous aviez un club secret. Un club secret où on serait que toutes les deux? T'en ferais même pas partie. Je suis dégoûté. Bah tu imposes pas. Ah bah non, je peux pas. Il faut que j'aille chercher Jade à la danse à 18h. Ah oui. Toujours une excuse, quoi. Non mais hier, il fallait finir les devoirs de Clotilde. C'est pas ma faute. Et dimanche dernier, c'était quoi déjà? Dimanche dernier, impossible. Jade s'était engueulée avec Kenza. Je sais pas, fallait bien que l'un de nous deux reste avec elle. Kenza, c'est vrai, j'avais oublié. Tu sais, Dominique, parfois je me demande si t'as pas adopté les filles juste pour avoir des excuses pour pas aller au sport. Oui, peut-être.
Bon, c'est la rentrée, donc petite augmentation, hein, c'est normal. Jade, 25 euros. Et moi? Et toi, 10 euros. Bien, non? Ouais. Quoi se passer? Bah, on a été déracinés quand même. Ouais, pas connaître ses vrais parents, c'est pas évident. Mais c'est le même tarif, hein. Adopter, pas adopter, c'est pareil. Et ma terre natale? Les odeurs que j'ai quittées et tout? Bah, j'ai plus rien de toute façon. Bon, ok. Merci, Babou. Merci. De rien, les filles. Et c'est normal d'avoir essayé. Tu stalkes les jeunes lycéennes, toi, maintenant? Mais non, c'est Éléonore Poujol. Mais encore? Éléonore, la rivale de ta fille. Jade s'en rend malade. Cette fille fait tout mieux qu'elle. Elle a de meilleures notes, elle va passer le concours de l'Opéra de Paris. C'est la préférée de la prof de français. Olivier, t'étais passé où les 6 derniers mois? Et tu cherches quoi? Rien, juste quelques infos croustillantes pour que Jade reprenne le dessus. Enfin, t'oublies un truc hyper important, là, Domi. Notre fille grandit avec quelque chose qui n'a pas de prix. Une ouverture d'esprit que la Éléonore machin n'aura sans doute jamais. Parce que grandir avec deux papas, figure-toi que... Elle a deux mamans? Mais c'est carrément déloyal, ça. Elle fait tout mieux, je te dis. Ça va, c'est bon, je peux continuer à creuser. Oh, forcément un point faible. Tu t'attaques à la mauvaise famille, la jeune fille. Il est relou, le mec. Ça fait 3 soirées que je le drague et il continue à me parler comme si j'étais sa pote. Mais tu le dragues comment? Bah, je sais pas, on rigole, on se marre, on se fait des vannes, quoi. D'accord. Classique. Et tu lui as fait le regard? Quoi? Bah, vous déconnez, vous discutez, vous faites des blagues, c'est cool. Mais à un moment, il faut que tu sortes de la friendzone, sinon il se passera jamais rien. Tu vas pas lui demander s'il veut bien sortir avec toi ou lui envoyer un mot en cours de maths, on est plus en CM2? Bah, non. Voilà. Ce que tu fais, c'est que tu parles avec lui, tu rigoles, c'est cool. Et d'un coup, t'attends un silence et là, bam. Tu fixes ton regard dans le sien et tu comptes au moins 3 secondes. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Et tu relâches et tu reprends comme si de rien n'était. Et là, le mec, il sait que t'es pas là pour parler shopping avec lui. Mais n'importe quoi, c'est un truc de bolos, j'ai rien vu là. C'est normal, je t'ai pas fait le regard. Mais il faut que tu le charges un peu, que tu mettes un peu de mystère, de curiosité, d'envie quoi. Pff, tu t'es pris pour De Niro en fait, elle est cramée ta technique hein. Ok, d'accord. T'es prête? Ok. Et donc toi, t'es en première, c'est ça? T'as Madame Pichard en français, non? Ah, elle pue la gueule, Madame Pichard. Maman, Pauline me drague! Et 3 Mississippi. Quoi? Bon, alors là, je pensais pas dire cette phrase un jour, mais Paul, arrête de draguer ta sœur. Elle m'a cherché. Arrête, t'es dégueulasse! Tu me dégoûtes. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu dors pas? Bah, non. Qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est à cause d'une fille. Ah. C'est pour ça que t'as rien mangé aujourd'hui? Bah, ouais, c'est plus fort que moi. Le matin, je mange pas parce que je pense à elle. Le midi, je mange pas parce que je pense à elle. Et bah, le soir, je mange pas parce que je pense à elle. Oh, mon loulou, je comprends. Et là, tu dors pas parce que tu penses à elle? Ah non, je dors pas parce que j'ai trop faim, là. Je vais te chercher du chocolat. J'ai l'impression que vous ne m'attendiez pas. Je ne vous vois pas, mais je vous devine. Dois-je déclencher une tempête pour vous faire vibrer? Vous avez l'intention de me faire du mal ou de me faire du bien? Ah, ça va dépendre de vous. Mais comme vous savez lire dans les pensées, vous savez ce qui va se produire. Vous n'allez sûrement pas abuser d'un tétraplégique milliardaire. Un quoi? Un tétraplégique milliardaire. Attends, mais Gabriel, on fait quoi, là? Et, bah, tu m'as dit qu'on se faisait le dernier film d'Omar Sy. Bah oui, mais justement, c'est quoi pour toi le dernier film d'Omar Sy? Eh ben, c'est Intouchable. Mais non, pas du tout, mais ça n'a rien à voir, c'est X-Men, avec tous les super-héros, comme ça on a des super orgasmes. Mais alors ça sert à quoi la chaise roulante là? Bah parce que je croyais que tu voulais faire le professeur Xavier, le vieux là, tout chauve qui lit dans les pensées des gens. Attends, t'entends me dire que ce qui t'excite, c'est un vieux chauve? Non, pas du tout. Ah bah si. Bah oui. Ah oui. Je suis excitée par les vieux chauves.